Les rencontres des quarts de finale de la Coupe d'Algérie de football étaient passionnantes. 8 buts ont été inscrits lors de ces matchs. Aucune surprise n'a été enregistrée. La JS Kabylie, classée première au championnat, n'a laissé aucune chance à l'USM Annaba. Les coéquipiers de Gawawi ont scoré à 2 reprises. La première réalisation est signée par Beltrayed à la 40e minute de jeu. Et Edzenga aggrave la marque en seconde période. 2-0 en faveur de la JSK qui se qualifie en demi-finale. Pour sa part, l'USM Alger l'a également remporté face au Kabokjbo-Arish, 3-1. C'est Diallo qui ouvre la marque en première mi-temps. Khedara égalise par pénalty en seconde période. Quelques minutes après, un coup franc est exécuté par Djeri Bilel. Laribi porte le score alors à 2-1. Et en fin de partie, la défense du Kabokjbo-Arish repousse ce centre de Djeri. Mais le talentueux Metref est là pour inscrire un joli but. 3-1 pour les Rouges et Noirs qui se qualifient également aux demi-finales. Quant aux joueurs du MC Oran, ils ont dû attendre la première minute des prolongations pour arracher la qualification grâce à un but inscrit par Daoud Bouabdallah. Face à cette coriace équipe d'Eflou, le MCO rejoint ainsi la JSK et l'USM Alger. La quatrième équipe qui va animer les demi-finales, c'est la formation de Magra. Elle s'est imposée 1-0 face à Marnia. L'unique réalisation est l'œuvre de Renei en seconde mi-temps, offrant ainsi à son équipe la qualification au prochain tour.